Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 4 mai et on organise un forum de l'engagement à la maison de quartier Axe Major Horloge à Cergy. Et en fait, c'est à l'initiative du Point Information Jeunesse et du Centre d'Information Europe Direct de Cergy que le forum a été mis en place dans le cadre de l'année européenne du bénévolat et du volontariat et de la Fête de l'Europe. Le but, c'est vraiment que les jeunes s'informent sur les différentes possibilités d'engagement, que ce soit en France, près de chez eux ou à l'étranger. Alors pour nous, une manifestation comme aujourd'hui, c'est la possibilité de promouvoir le dispositif. Il y a 9 thématiques sur lesquelles les jeunes peuvent postuler ou les associations ou les collectivités peuvent demander à être agréés pour recevoir des jeunes volontaires. J'ai appris énormément de choses. Comment on élabore un projet, comment on fait une étude de terrain et après comment on peut faire en sorte de le concrétiser. J'ai aussi eu accès à énormément de structures que je n'aurais pas forcément rencontrées hors de mon service civique. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des jeunes qui ont une volonté de s'engager dans la solidarité internationale. On a une expérience par exemple au Sénégal pendant 3 semaines dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la ville de Thiès et celle de Cergy. C'était très enrichissant parce que nous on avait quelque chose à leur apporter, mais en retour sur le plan humain c'était une bonne expérience. La FEV est une association nationale qui existe depuis 20 ans. Sa mission principale c'est de recruter des bénévoles qui accompagneront 1h30 à 2h des jeunes de quartiers en difficulté. Moi, mon rôle va être de les orienter soit vers des structures qui envoient des volontaires, soit vers des financements qu'ils cherchent. J'ai 11 ans en fait, j'ai monté une junior association. J'ai 11 ans. Ouais, c'est très positif comme bilan. Il y a eu du monde, pas mal de structures qui sont intéressées, pas mal de jeunes aussi. Dans l'ensemble, on est plutôt satisfaits. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par le volontariat autant que par le bénévolat. C'est quelque chose d'intéressant, surtout pour la jeunesse. On donne et on reçoit, donc moi je trouve ça bien. Ça m'a permis de rencontrer des associations comme le Service Volontaire Européen qui m'intéresse beaucoup. Tout me plaît, donc si je devais tout faire, je ferais tout, voilà. Je crois une remise vraiment en question, soit personnellement, et d'utilité qu'on veut avoir, et ça permet aux jeunes de se sentir vraiment impliqués dans sa vie de citoyen.